Bonsoir à tous, vous qui nous regardez depuis chez vous, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, voilà, qui a permis qu'on puisse encore être là pour partager la parole. Donc nous bénissons le Seigneur, merci pour encore pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui prient pour nous, qui nous encouragent. Merci aussi au Seigneur, voilà, qui nous garde. Merci aux frères et sœurs qui travaillent de façon intense pour que vous puissiez recevoir ces émissions chez vous. Donc sans plus tarder, on va prier pour recommander au Seigneur ces moments entre ses mains. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour ta parole. Je prie que tu nous conduises, Seigneur, durant ces moments. Parle-nous, dirige-nous au nom puissant de Yahushua. Que seule ta vérité triomphe dans nos cœurs, qu'elle soit notre joie, notre partage, au nom puissant de Yahushua. Amen. Voilà, donc sans plus tarder, on va prendre un passage dans le livre de Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4. On va lire le verset 18. Luc chapitre 4 au verset 18. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés. Verset 19, pour publier une année favorable du Seigneur, ayant roulé le rouleau et l'ayant rendu au serviteur, il s'assit. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole, cette écriture est accomplie à vos oreilles. » Donc ici, c'est le Seigneur qui parle, qui est rentré dans la synagogue durant son passage sur la terre. Et ici, qui va dire que l'Esprit du Seigneur est sur lui, parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui et qu'il l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà, donc nous comprenons par là que l'Esprit du Seigneur est un esprit de compassion. Et je crois que s'il faut donner un thème à notre émission, on va donner comme thème le Saint-Esprit, esprit de compassion. Voilà. Le Saint-Esprit, esprit de compassion. Voilà. Parce que, en tant qu'enfant du Seigneur, ayant le Saint-Esprit, nous devons manifester les mêmes caractéristiques que Christ a manifestées lorsqu'il était sur la terre, c'est-à-dire la compassion. Et le Seigneur nous dit, dans le passage qu'on a lu de Luc chapitre 4 au verset 18 au verset 19, que l'Esprit du Seigneur est sur lui parce que l'Esprit du Seigneur l'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Et quand on parle d'annoncer l'Évangile aux pauvres, il s'agit de pouvoir premièrement partager l'Évangile aux pauvres, d'accord, mais aussi de pouvoir prendre soin des pauvres, vous voyez. C'est ça l'Esprit du Seigneur. Et un autre passage peut nous le prouver, c'est, on est dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 30, je crois. Matthieu 25 à partir du verset 30. Matthieu 25 à partir du verset 30. Donc en tant qu'enfant du Seigneur, ayant l'Esprit du Seigneur, à partir du verset 31, merci. Donc je disais, en tant qu'enfant du Seigneur, ayant reçu l'Esprit du Seigneur, nous devons obligatoirement manifester le caractère du Seigneur. Le premier caractère que nous devons manifester, c'est la sainteté. Vous voyez, parce qu'on nous fait comprendre que Elohim est saint et il faut aussi que nous soyons saints. Vous voyez, donc en tant qu'enfants du Seigneur, nous avons cette obligation de sainteté, nous avons cette obligation de ressembler au Christ. Vous voyez, et la Bible nous dit que soyez parfaits comme votre Père céleste aussi est parfait. Or, quand on parle de cette perfection que nous devons atteindre, c'est avoir toute la stature du Christ, vous voyez, la stature du Christ. Et c'est justement de cette stature du Christ-là dont on parle dans Éphésiens 4, que les cinq ministères de la parole ont été donnés afin que les chrétiens puissent arriver à la stature de Christ. C'est-à-dire qu'on leur enseigne la parole en entier, qu'on leur enseigne la sainteté, qu'on leur enseigne le civisme, qu'on leur enseigne à être délivré des traditions, des coutumes et toutes ces choses, d'être social, d'aimer les pauvres, de ne pas être xénophobe.
Il y a plein de choses, frères et sœurs, à enseigner lorsque on veut amener les chrétiens à être des personnes matures et qui vont manifester le caractère de Christ. Donc on est dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Et quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra en effet les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, c'est-à-dire les brebis, nous, les enfants du Seigneur, les véritables enfants du Seigneur, seront à la droite du Seigneur. Et il va les séparer. Et il va dire, venez vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et ça, par rapport à cela, mon frère Christ a eu le temps, pendant au moins, je crois, trois ou quatre ou cinq émissions, d'enseigner sur tout ce qui concerne l'avènement du Seigneur jusqu'au royaume. Voilà. Et il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi répondant leur dira, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif ou être étranger ou nu ou malade ou en prison et que nous ne t'avons pas servi? Alors il leur répondra en disant, Amen, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Waouh! Donc on a vu dans ce passage que les justes qui vont hériter du royaume ne vont pas hériter cela parce que d'abord ils auront beaucoup prophétisé. Ils ne vont pas hériter le royaume parce que d'abord ils auront beaucoup gagné des âmes. Ils ne vont pas hériter le royaume parce qu'ils auront donné beaucoup d'argent dans une assemblée. Non, ils auront donné le royaume parce qu'ils auront pris soin de leur prochain. Vous voyez, ils auront pris soin de leur prochain. Et le premier prochain que le Seigneur donne à chaque chrétien, c'est d'abord sa famille. Or aujourd'hui, on constate beaucoup de chrétiens qui ont abandonné leur propre famille. Or, la Bible nous dit ceci, que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Est-ce qu'on peut m'aider à retrouver le passage là? Je crois qu'on est dans 1 Timothée chapitre 2, je ne sais plus, 1 Timothée 2. Si l'équipe technique peut m'aider avec le passage. La Bible nous dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc la première, les premières personnes, les premiers prochains que le Seigneur met auprès de chaque humain, de chaque homme, de chaque femme, c'est d'abord sa famille, d'abord ses enfants, son mari, sa femme, c'est d'abord les premiers que le Seigneur met. Oui, d'abord les premiers. Et pour les enfants, les premiers, justement, c'est aussi leurs enfants, mais aussi les parents qu'ils ont. Mais beaucoup de chrétiens ont délaissé leur rôle simplement parce qu'aujourd'hui, ces chrétiens préfèrent servir les églises, préfèrent servir les hommes, préfèrent servir les systèmes, préfèrent servir des choses, mais ils ne veulent pas servir le Seigneur. Donc, on est dans 1 Timothée 5, verset 8. Merci l'équipe technique. Dès que c'est bon, on peut afficher le verset. On va le lire. Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un incrédule. Vous voyez? Or, il y a beaucoup de chrétiens
qui préfèrent laisser leur famille, soi-disant parce qu'ils ont peur de tomber sous la malédiction pour aller donner les dîmes dans les assemblées. Et en plus dans les assemblées où on ne fait rien avec cet argent. Voyez. Or, le Saint-Esprit est un esprit de compassion. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à délaisser ta famille pour aller donner l'argent dans l'église. Encore que ce qu'on appelle l'église, le bâtiment d'église, ce n'est pas ça l'église. L'église, on a eu l'occasion d'enseigner sur le fonctionnement de l'église un dimanche ici, on était à trois avec mes frères Tanguy et Chris. Voilà, l'église, ce n'est pas un bâtiment, l'église c'est un corps. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, c'est ça l'église. Maintenant, l'église est mobile, elle peut être au bord d'une rivière, elle peut être dans un bâtiment, elle peut être dans une maison, elle peut être priée au bord de la route, elle peut être partout. Mais l'église, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est qu'un lieu qui est pris pour faciliter justement d'avoir un seul lieu de réunion. Ouais. Donc, un chrétien qui reçoit l'Esprit du Seigneur doit forcément avoir l'esprit de compassion, doit principalement prendre soin de sa famille. Ouais. Et malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est ce que les pharisiens avaient amené. On va prendre Matthieu 23, on va voir d'où vient cet esprit aujourd'hui qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, abandonnent leur propre famille, ne prennent pas soin de leur propre famille. Quand je parle de propre famille, je parle d'abord même de leurs enfants. Parce qu'on rencontre, on écoute des témoignages, on discute avec des personnes qui laissent même leurs propres enfants dans la galère parce que ces personnes doivent aller donner les dîmes. On est dans Matthieu chapitre 23, à partir du premier verset. Matthieu chapitre 23, à partir du premier verset. Merci Seigneur. Alors Yahushua parla aux foules et à ses disciples en disant: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer, mais ne faites pas selon leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas. Car ils lient ensemble des fardeaux et des lourdes charges et les mettent sur les épaules des gens, mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des lâches phylactères et de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places, les premiers sièges dans les soupers et les premiers sièges dans les synagogues. C'est ce qu'on rencontre aujourd'hui, les pasteurs qui sont sur l'estrade avec sa déesse, maman pasteur, sur les fauteuils en cuir, alors que les disciples, les chrétiens, les enfants de Yahushua qui contribuent pour payer ces choses sont assis sur les chaises en plastique. Vous voyez, c'est l'esprit des pharisiens. Et on nous fait comprendre qu'ils lient des fardeaux pesants sur les dos des disciples et ils ne bougent pas le petit doigt, ils ne remuent pas le doigt. D'accord? Et on lit la suite. Ils aiment les premiers sièges dans les soupers et les premiers sièges dans les synagogues. Même quand ils viennent dans un mariage, ils veulent toujours être en table d'honneur. Parfois, même beaucoup de chrétiens mettent leur propre mère, leur propre frère dans une autre table et ils laissent les pasteurs là venir en VIP. Ok, qui est suffisamment de tables VIP pour tout le monde? On peut comprendre, mais ton père, ta mère, tu les mets derrière pour mettre ton pasteur en VIP. Quelle abomination devant le Seigneur. Et sans le rencontre. Ouais. On nous dit au verset 7, « Et les salutations sur les places du marché et être appelé par les gens, Rabbi, Rabbi. » Regardez, beaucoup de gens aujourd'hui, on ouvre une parenthèse, qui sont pasteurs. Aujourd'hui, quand tu les appelles par leur prénom, ils sont choqués. Ils veulent qu'on les appelle pasteur, comme si le jour où il était né, il s'appelait pasteur. C'est vraiment grave. Quelqu'un qui s'appelait Paul, maintenant, quand il devient pasteur, on doit maintenant l'appeler pasteur Paul. Ou bien simplement pasteur, ou bien mon pasteur, mon révérend. Et c'est même grave, parce que j'ai vu des pasteurs jeunes, avec qui on a grandi dans la foi, qui sont devenus pasteurs aujourd'hui, et qui, des mamans qui nous ont nourris, des mamans qui nous ont parfois appelés chez elles pour manger. Des mamans qui parfois nous ont aidés financièrement quand on était étudiant. Ces pasteurs-là aujourd'hui, ces mamans les appellent papa. Mais c'est grave. C'est grave. Et c'est l'esprit des pharisiens qui existait déjà depuis l'époque. C'est pourquoi Yahushua, Jésus, les a dénoncés. On revient sur le passage, les frères. C'est cet esprit-là qui continue. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre guide, le Mashiach, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Alors on va descendre. On va lire à partir du verset 13 pour la suite. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens,
vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Donc souvenez-vous que quand on parle d'entrée, on a parlé de ceux qui sont, doivent rentrer selon Matthieu 25 à partir du verset 31, parce qu'ils auront pris soin des pauvres, des orphelins, des veuves, des étrangers. Vous voyez, ils auront pris soin des malades, des prisonniers. Ils ont manifesté l'amour, l'esprit de compassion qui était en eux à agir, les a poussés à poser des actes par amour pour le Seigneur. Vous voyez, on dit parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Et c'est ça aujourd'hui les assemblées. C'est-à-dire les pasteurs prennent l'argent pour eux et ne pensent pas aux personnes qui souffrent, même dans l'église. Même dans les assemblées, beaucoup ne prennent pas soin des pauvres. Beaucoup ne prennent pas soin des chrétiens que le Seigneur leur envoie pour la formation. Au contraire, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font comme Satan dit dans Matthieu 4. Si tu es le fils d'Élohim, transforme ces pierres en pain. Et ils ont transformé les pierres vivantes de Yoshua, les pierres vivantes de Yoshua en pain pour les dépouiller. Ils ont transformé les brebis en machines à traire pour sur lesquelles ils vont traire le lait. Ils prennent la laine. Ils prennent tout et quand ils auront fini, ils vont prendre la viande. Vous voyez, et la viande là, c'est l'image de la mort parce que pour prendre la viande, il faut tuer. C'est la mort éternelle, la seconde mort. Ils vont amener les gens dans la seconde mort parce que les gens ne seront pas rentrés dans le royaume des cieux. La conséquence de ne pas être rentré dans le royaume des cieux, c'est de subir la seconde mort, frères et sœurs. Donc on va lire la suite du passage. On nous fait comprendre, mais malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, tout en prétextant faire des longues prières, c'est pourquoi vous recevrez une plus grande condamnation. Ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les pasteurs qui demandent aux gens l'argent, pour prier pour les délivrances. Il y a des gens qui disent que leurs maisons sont possédées. Pour venir prier dans les maisons, ils demandent de l'argent pour soi-disant consacrer les enfants. Alors que chaque enfant est consacré depuis le ventre de sa mère. C'est ce que la Bible nous enseigne. Voilà, au Seigneur, ils demandent de l'argent pour soi-disant consacrer des mariages. Alors que le mariage est une institution déjà bénie par le Seigneur, ils demandent de l'argent. Vous voyez, c'est cet esprit-là. On va lire maintenant la suite par rapport à ce qui se fait. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un disciple, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois pire que vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens. Malheur à vous, guides aveugles, verset 16. Qui dit, si quelqu'un a juré par le temple, ce n'est rien. Si quelqu'un a juré par l'or du temple, il est engagé. Waouh! C'est grave. Regardez ce que Yoshua dit, insensé et aveugle. Car lequel est plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Frère, c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui est le plus important? La dîme que vous donnez dans l'assemblée ou l'esprit qui sanctifie votre esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est le plus important? Obéir à ce qui est dit dans un bâtiment ou ce qui est dit dans le temple spirituel que tu es par le Saint-Esprit? Par ce qui est dit dans la parole du Seigneur. Vous voyez? Et c'est de là où vient cette pratique, c'est-à-dire que cet esprit-là agit depuis des années et amène les chrétiens à ne pas prendre soin des autres. Pourquoi? Parce qu'on leur fait comprendre que ben, si tu ne donnes pas la dîme, tu seras maudit. Si tu ne donnes pas l'argent en assemblée, tu seras maudit. Le Seigneur ne va pas ouvrir pour toi les églises des cieux. Et puis la sauterelle va venir dévorer tes finances. Vous voyez? Regardez par la suite. Alléluia. On peut lire le passage? Et si quelqu'un a juré par l'autel, ce n'est rien, parce qu'il a juré par l'offrande qui est dessus et il est redevable. Alors, on est au verset 17, pardon. Insensé et aveugle, car lequel est plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Verset 18. Et si quelqu'un a juré par l'autel, ce n'est rien, mais celui qui a juré par l'offrande qui est dessus, il est redevable. Insensé et aveugle, car lequel est plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Et quel est l'autel aujourd'hui? Ben, l'autel est spirituel. L'autel n'est plus à Jérusalem. L'autel n'est pas dans une assemblée. L'autel des parfums aujourd'hui est spirituel. Vous voyez? Dans le temple spirituel. Et nous sommes ce temple. Et le sacrifice, c'est d'abord nous. Et c'est ce que la Bible nous enseigne dans Romains chapitre 12. Mes frères, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable devant Elohim, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Donc, nos corps, nos vies sont ce sacrifice.
Or, aujourd'hui, on fait comprendre aux gens que pour être agréable au Seigneur, il faut donner de l'argent. Au détriment de sa famille, au détriment de son voisin. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes vont donner l'argent dans les églises, mais ils laissent leurs voisins. Ils laissent leur famille, ils laissent leurs enfants. Ils ne visitent pas les orphelins, ils ne visitent pas les pauvres, ils ne visitent pas les malades, ils ne visitent pas les prisonniers. Ils ne pensent pas à eux, même dans leur prière. Vous savez, on n'est pas forcément en train d'abord de parler d'argent, même dans la prière, même dans la pensée, même soutenir ceux qui vont le faire. Ok, je n'ai pas le temps, mais je peux prendre une partie de mon argent au lieu d'aller donner les dîmes aux pasteurs qui s'enrichissent, qui sont en train de grossir, qui ont maintenant les gros ventes, qui roulent dans les Toyota VX, qui n'ont pas payé avec leur argent. Ils sont libres de rouler dans n'importe quel véhicule, tant qu'ils le paient avec leur argent, mais pas avec l'argent des frères et sœurs qui vont travailler matin et soir dans les entreprises. Ce n'est pas juste devant le Seigneur. Ce n'est pas juste. Et regardez ce que Yoshua dit à la suite du passage. Il dit, au verset 20, Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par toutes les choses qui sont dessus. Et celui qui jure par le temple, jure par le temple et jure par le trône d'Élohim et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, verset 23. Hypocrites, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin et vous laissez de côté les charges les plus lourdes de la Torah, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là sans négliger les autres. Verset 24. Guide aveugle, vous coulez le moucheron et vous engloutissez le charbon. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au dedans, ils sont pleins de pillage et de manque d'autocontrôle. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous rassemblez des tombes blanches, vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui, en effet, paraissent belles au dehors et au dedans sont pleins d'ossements. Waouh! Donc, voilà un peu d'où vient cet esprit que beaucoup de chrétiens ne veulent pas prendre soin de leur prochain. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas prendre soin de leur prochain. Et c'est grave. Et c'est vraiment grave. Alors que nous sommes dans un temps où il y a vraiment beaucoup de plus en plus de cas sociaux. Les cas sociaux grandissent, des enfants qui sont abandonnés, des jeunes filles ou des femmes âgées, on ne sait pas, qui naissent, qui mettent au monde et qui parfois abandonnent des enfants, jettent les enfants dans les poubelles, les enfants sont retrouvés vivants. Où sont les chrétiens? Où est l'église? Où sont les enfants du Seigneur? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes en train de chercher les pasteurs, vous êtes en train de chercher les bénédictions, vous êtes en train de chercher les richesses, vous êtes en train de chercher à régner sur la terre, vous êtes en train de chercher à accumuler des richesses dans vos comptes bancaires, alors qu'à côté de vous, il y a le voisin qui souffre. Il y a des enfants qui sont abandonnés, il y a des enfants qui sont délaissés. Regardez, où sont les chrétiens qui s'élèvent aujourd'hui pour dire, regardez tous ces enfants qui ont parfois 5 ans, qui ont parfois 8 ans, entre 8 et 12 ans, et qui marchent avec ces personnes aveugles pour accompagner. Où sont tous ces chrétiens qui sont juristes, qui sont avocats, qui sont juges, qui sont magistrats, qui s'élèvent pour défendre la cause de ces enfants? Ils sont où? Ces enfants sont amenés depuis leur pays et viennent servir d'esclaves. Ils n'ont même pas le droit de vivre leur enfance. Ils sont esclaves. Ok, nous compatissons pour les aveugles. Mais qu'une personne adulte accompagne les aveugles afin de pouvoir faire la quête? Mais pas un enfant. Un enfant doit vivre sa jeunesse. Un enfant doit vivre sa vie. Où est l'église pour accompagner ces gens? L'église est où? Ben, les chrétiens sont enfermés dans leur bâtiment d'église. Réunion lundi, mardi, réunion de prières. Mardi, le combat spirituel, quelque chose de démoniaque. Mercredi, réunion des femmes. Jeudi, réunion d'intercession. Vendredi, réunion des couples. Samedi, répétition des chantres avec formation des disciples de je ne sais pas quoi. Dimanche, culte d'action de grâce ou d'adoration. Deux cultes, un culte qui fait de 8h à midi, un autre culte qui fait de midi à 16h. Frère, vous allez avoir quel temps pour aller vous occuper, sortir de votre bâtiment d'église, aller vous occuper des gens? Vous n'allez pas avoir le temps. Ce n'est pas possible. Parce que Satan vous a lié dans un système religieux et vous êtes enfermé. Il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus de compassion. L'esprit de compassion a disparu au milieu des chrétiens. Il n'y a plus.
n'y a plus cet esprit de compassion-là. Le Seigneur va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Regardez ce que Paul dit dans Galates 2:10. Galates chapitre 2, verset 10. Oh, alléluia, Seigneur. C'est terrible, frère. C'est terrible, c'est terrible. Les chrétiens, l'Église a quitté son poste. L'Église a abandonné sa place. L'Église est sortie de son rôle. L'Église qui est l'appui et la colonne de la vérité est sortie de son rôle. Complètement passée à côté. Complètement passée à côté. Acte, Galates chapitre 2, verset 10. On remonte un peu. Ok, on va lire à partir de... Ok, mais au contraire... Partie du verset 7. Mais au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour l'incirconcision, comme à Pétros pour la circoncision, car celui qui a agi puissamment en Pétros pour l'apostolat de la circoncision a aussi agi puissamment en moi pour les nations, et Jacob, et Képhas, et Yohanan, qui paraissaient être des colonnes, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les nations et eux, vers la circoncision. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis efforcé de faire. On doit s'efforcer de se souvenir des pauvres. C'est ce qui est dans l'Évangile. C'est ce qui est dans l'Évangile. On doit se souvenir des pauvres. Les pauvres ont besoin d'être aidés, frères et sœurs. Les pauvres ont besoin d'être soutenus. Où est l'Église ? Il y a combien d'églises à Port-Gentil? Il y a combien de chrétiens? Combien? Et quand on parle de soutenir les pauvres, frères, vous allez me dire, beaucoup vont me dire, oui, mais au Gabon, les gens ne souffrent pas, il n'y a pas les orphelins. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vérifiez, allez-y aux services sociaux. Allez-y aux services sociaux. Allez-y vous renseigner. Demandez, on vous dira qu'il y a des cas. Il y a des hommes qui sont abandonnés, rejetés par leur famille. Il y a des femmes qui sont abandonnées, rejetées par leur famille. Où est l'église? Où est l'Église pour soutenir l'État? Où est l'Église pour jouer son rôle? L'État ne peut pas tout faire. L'Église est où? Où est l'Église pour montrer un modèle à l'État? Où est l'Église pour montrer un modèle à nos hommes politiques? Où est l'Église pour montrer un modèle à nos hommes d'affaires? Où est l'Église pour montrer un modèle à nos entreprises? Elle est où? Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs font les lettres dans les assemblées pour demander des millions pour organiser des programmes. Là, on va louer l'avion de certains pasteurs, des faux pasteurs comme Alf Lukaou, pour le faire venir ici à Port-Gentil. Et on fait des programmes où on dépense 100 millions alors qu'il y a des pauvres ici à Port-Gentil. Le Seigneur va vous demander des comptes. Le Seigneur va demander des comptes. On des programmes chers et on fait des courriers. Des églises ici écrivent. On écrit aux administrations pour demander de l'argent. On écrit au préfet, on écrit au gouverneur, on écrit aux entreprises, on écrit aux particuliers pour demander de l'argent pour organiser des programmes pour la gloire humaine, pour la vaine gloire. Et les pauvres sont abandonnés. Où est l'Église? Quand on organise un programme qui coûte 100 millions, mais avec 100 millions, on peut construire beaucoup, on peut faire beaucoup de choses. Avec 100 millions, on peut aider beaucoup de personnes. On peut autonomiser beaucoup de gens. Où est l'Église aujourd'hui? Frère, l'Église est où? L'Église a perdu sa place. L'Église s'est complètement détournée de la vérité. L'Église s'est complètement détournée de son rôle. Il est temps, Église, de revenir à la place que le Seigneur t'a donnée. Il est temps. L'Église s'est détournée. On va dire, ok, les gens ne souffrent pas au Gabon. Mais qui a dit que l'œuvre de l'Église était limitée à un pays? Qui a dit que le Gabon, les chrétiens du Gabon, ne pouvaient pas soutenir les chrétiens, par exemple, de l'Afghanistan? Ou que les chrétiens du Gabon ne pouvaient pas soutenir les chrétiens de la... pas seulement les chrétiens, mais aussi les inconvertis, les gens qui sont en Libye, les pays où il y a la guerre, il y a des pays où il y a la famine, il y a des pays qui, aujourd'hui, ils ont du mal à vivre, il y a des pays qui sont sous embargo, ils n'ont même plus la possibilité de vendre leurs produits à l'international, et ils ont très peu d'opportunités de commander. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont mis un embargo sur ces pays. Mais c'est des pays, parfois, il y a des opportunités, il y a des associations chrétiennes dans le monde qui contribuent pour aider ces pays. Mais où est le chrétien africain? Où est le chrétien gabonais qui pense d'abord même à son propre pays et qui pense aussi à ceux qui sont à côté de lui, par exemple au Cameroun, au Congo, Kinshasa, où il y a des zones où il y a la guerre, qui sont dans la détresse. Vous voyez? Qui sont dans la détresse.
Mais frère, il y a des choses à faire au Gabon. Il y a des choses à faire. Arrêtons de dépenser notre argent, de dépenser l'argent pour l'investir dans des choses qui ne sont pas bénéfiques. Dans des œuvres qui ne sont pas bénéfiques, dans des œuvres qui ne servent à rien, qui servent à la gloire humaine. Regardez, vous cotisez, vous les chrétiens, vous cotisez 100 millions pour organiser un programme. C'est vous qui avez cotisé les 100 millions. Et par la suite, lorsqu'il y a une école de ministère dans ce programme, vous devez encore payer. Vous trouvez ça raisonnable? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est simplement de la double escroquerie. Ça, et vraiment, il est temps vraiment que la Cour des comptes, ou je ne sais pas s'il y a une cour qui est chargée de ça, de pouvoir faire un peu un audit sur les églises. Parce que trop, c'est trop. Et que ceux-là qui ont volé, qui n'ont rien fait, qu'ils soient mis en prison. Parce que c'est à cause de ça que le nom du Seigneur est blasphémé. Il faut un moment qu'on demande des comptes à ces gens. Où est le fonctionnement, qu'ils tiennent une comptabilité et qu'on voit où est affecté cet argent. Ça, c'est du détournement d'argent. C'est vraiment du détournement d'argent. Et il y en a qui doivent aller en prison. Parce que c'est du vol. On ne peut pas prendre autant d'argent et ne rien faire avec. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez, frères et sœurs, on va refaire encore des calculs. Parce que l'objectif, c'est de vous aider, chrétiens, à comprendre que l'Église a raté son rôle. Et que vous avez contribué, vous, en tant que disciples de Yoshua, en tant que membres de ces assemblées, à arriver à cela. Les frères, préparez la calculatrice, s'il vous plaît. On va montrer aux frères et aux sœurs qui nous regardent combien de fois l'Église a raté son rôle. Combien de fois l'Église est passée à côté. Dès que la calculatrice est prête, vous pouvez la mettre à l'écran, on va faire quelques calculs pour montrer que l'Église est passée à côté. Frère, imagine tous les mois tu as donné 30 000 francs à ton Église. 30 000. Multipliez les frères par 12 mois. Ça fait combien? 360 000. Tu es chrétien depuis par exemple 10 ans. Ça fait 3 600 000. Voilà ce que tu as donné à ton église. Alors, ça, c'est ce qu'un chrétien qui a 10 ans peut donner. Alors, imaginez si il y a 500 chrétiens comme ça. Ça fait combien? 1 milliard. C'est 1 milliard, non? 1 milliard 800 millions. Ça fait 1 milliard 800 millions qui sont rentrés dans les églises en 10 ans. Je parle là d'une église de 500 personnes qui a ce rythme-là depuis 10 ans. Ça fait 1 milliard 800. Maintenant, regardez, on va faire un autre calcul, frère. On peut remettre à zéro. Les chrétiens qui donnent 30 000 par mois. On va dire que l'assemblée là a 500 chrétiens, par exemple. Ça fait combien? 15 millions par mois. Par mois. Multiplions par 12, les frères, pour une année. Ça fait 180 millions pour une année. 180 millions pour une année. 180 millions. 180 millions. Frère, c'est grave. C'est grave. Alors, même si on paye un loyer de 300 000. 300 000, les frères, on va faire les calculs. On va enlever les loyers. Enlevons 300 000 le loyer. Bon. Voilà, ça fait... faites plus 300 000. Faites plus 300 000 encore. On va repartir à 1 milliard 800. Voilà. OK. On va prendre un loyer de 500 000 par mois. 500 000 par mois multiplié par 12, ça fait 6 millions. Donc, faites moins 6 millions. Moins 6 millions pour le loyer. OK. Ça fait combien? 174 millions. Enlevez aussi 6 millions pour l'électricité. Non, là vous avez fait 60 millions. OK. Ça fait combien? Ça fait 168 millions. OK. Imaginez que vous payez votre pasteur 1 million par mois alors qu'on ne doit pas le payer. On va quand même consentir qu'on devait le payer 1 million par mois. Faites moins 12 millions pour le pasteur. S'il avait droit à un salaire. Bibliquement, il n'a pas droit à un salaire. 12 millions. Ça fait combien? 156 millions. Voilà ce que vos pasteurs vous escroquent chaque année et ne font rien avec. C'est ça. Et ça, le Seigneur va leur demander des comptes. C'est pourquoi vous pouvez comprendre qu'ils roulent en VX. C'est pourquoi vous pouvez comprendre qu'ils roulent en 4x4. Alors que les pauvres,
derrière votre assemblée, tous les pauvres qui sont derrière votre église là. Votre église n'est même jamais allée leur rendre visite. Jamais. C'est grave. C'est vraiment grave. Vous voyez, frères et sœurs, l'esprit de compassion qui est en nous, qui est dans les chrétiens, a malheureusement été étouffé par les systèmes, par la religion. Par la religion. Et c'est ça le problème de la religion. Donc, frères et sœurs, c'était pour interpeller les chrétiens. C'était pour nous dire qu'il y a des gens qui meurent. Regardez un peu, on a préparé deux sites. Les frères, si on peut afficher le premier site, celui de... Je crois que les deux sites, c'est des Nations Unies, mais on peut afficher l'un après l'autre, hein, selon votre convenance, il n'y a pas de souci. On va voir, on va montrer un peu. Alors, ça, c'est le site Organisation Mondiale de la Santé. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé les chiffres, c'est quand même une organisation internationale, voilà, qui est reconnue. Voilà, donc on va descendre, on va, voilà, là c'est bon. Ok, selon un rapport de l'ONU, la faim dans le monde continue d'augmenter. 821 millions de personnes souffrent à présent de la faim et plus de 150 millions d'enfants accusent des retards de croissance, menaçant ainsi l'objectif faim zéro. On peut agrandir un peu pour lire la partie d'en bas, pour que ce soit bien visible dans les maisons, c'est trop. Voilà, ok. Selon le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018, publié aujourd'hui, de nouvelles preuves indiquent que le nombre de personnes souffrant de faim dans le monde est en hausse avec 821 millions de personnes en 2017, soit une personne sur neuf. Des progrès limités ont également été observés en matière de lutte contre les différentes formes de malnutrition qui vont du retard de croissance chez l'enfant à l'obésité adulte. Une situation qui menace la santé des centaines de millions de personnes. Où est l'Église dans tout ça? Et ça, ce dont nous parlons, le constat de l'Église, c'est un peu général, surtout en Afrique. Parce que les chrétiens africains aiment les émotions. On aime les émotions, on aime aller dans les réunions où les gens vont tomber. Il y a une femme dans un coin qui va commencer à faire « pa, 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 pa ». On va dire « le Saint-Esprit est rentré dans la salle ». C'est ça les chrétiens africains. On aime les émotions, on n'aime pas faire face à la réalité. Quand tu vas dire à un chrétien, regarde la réalité des choses, il va te dire le sang de Jésus. Ouais. Alors que le sang de Yoshua a déjà coulé à la croix une fois pour toutes et on ne doit pas s'amuser avec ce sang-là. Donc si on peut afficher le deuxième site. Si on peut afficher le deuxième site. Pour montrer aux frères que c'est compliqué. Frères, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Les gens souffrent de plus en plus, dans le monde entier, les gens souffrent. Chrétiens, nous vous prions, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pourquoi le titre de cette émission, c'est Réveillez-vous. C'est l'émission Réveillez-vous que vous êtes en train de regarder, que le Seigneur a suscité pour nous interpeller, frères. Ne croyons pas que être sauvé, c'est une affaire d'avoir accepté Jésus et de s'asseoir et d'aller dans les réunions d'église. Je vous rassure, c'est faux. Lisez Matthieu 25 à partir du verset 31. Ce n'est pas ainsi. Pour être sauvé, on a besoin d'avoir des œuvres. Vous voyez? Oh, merci Seigneur. On va lire Jacques. Je crois que c'est Jacques 4, 17. Si quelqu'un ne sait pas faire ce qui est bien, il commet un péché. Je crois que c'est Jacques 4, 17. L'équipe technique essaie de m'aider. Jacques 4, 17, je crois. Pour montrer que le péché, ce n'est pas seulement tomber dans la fornication. Le péché, ce n'est pas seulement la masturbation, le mensonge, la haine, la jalousie, les murmures. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement les choses évidentes. Vous voyez? Ce n'est pas la colère seulement, non. Vous voyez, c'est ça, Jacques 4, 17, merci. Celui donc qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Celui donc qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Vous voyez, donc lorsque nous avons en nous l'esprit d'Élohim, le Saint-Esprit de Yoshua, qui nous conduit à faire ce qui est bon et que nous ne le faisons pas, frères et sœurs, nous commettons un péché. On commet simplement un péché. Or, la Bible nous fait comprendre que ni les impudiques... Oh, merci Seigneur, on va lire ce passage. Je crois que c'est
Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 6. Oh, merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6 en parle. Apocalypse 21, Apocalypse 22 aussi en parle. Oh, merci Seigneur. On va commencer par Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Oh, merci Seigneur. La Bible nous fait comprendre que les cupides n'hériteront pas le royaume des cieux. Or, c'est quoi la cupidité? La cupidité nous fait comprendre, la Bible nous fait comprendre que c'est une idolâtrie. Or, les idolâtres aussi n'hériteront pas le royaume des cieux. Oh, alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. La Bible nous dit au verset 8 d'Apocalypse, chapitre 21. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Si on peut trouver le même passage dans Apocalypse chapitre 22, je crois que c'est vers le verset 21 là-bas que c'est écrit. Vous voyez? Et la Bible nous fait comprendre dans le livre de Colossiens d'abandonner la cupidité qui est une idolâtrie. Donc les cupides n'hériteront pas le royaume des cieux. Et la Bible nous recommande dans 1 Corinthiens chapitre 5 de ne pas marcher avec quelqu'un qui est cupide. Merci, c'est au verset 15. Mais seront laissés dehors de la Jérusalem céleste, laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le péché. Toutes ces personnes qui donnent l'argent dans les assemblées dans le but de recevoir au centuple. Vous êtes des idolâtres. Vous n'hériterez pas du royaume des cieux parce que vous donnez l'argent dans le but de recevoir. Or, la Bible nous fait comprendre qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous vous donnez pour recevoir. La Bible nous fait comprendre que Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Ouais. Or, les cupides n'ont pas part à l'assemblée des saints. La Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 5 qu'on ne doit pas marcher avec quelqu'un qui est cupide. On va le lire. 1 Corinthiens chapitre 5, les frères. 1 Corinthiens 5 nous dit de ne pas marcher avec les impudiques, mais aussi avec les cupides. Or, aujourd'hui, trop de chrétiens sont cupides. Trop de chrétiens veulent simplement s'enrichir. Ils servent Elohim parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils donnent l'argent dans les assemblées parce qu'ils veulent s'enrichir. Frères, c'est grave. C'est grave. Je vous écris dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs. Non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc là, le Seigneur dit que ça ne concerne pas les gens du monde. Verset 11. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère. S'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Car qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc les chrétiens ont le droit de juger. Si quelqu'un de juger les œuvres, on ne juge pas le salut, on juge les œuvres. Car qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Mais ceux du dehors, c'est-à-dire les infidèles, ceux du dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Seigneur, retranche de ton peuple les cupides qui ne veulent pas se repentir. On en a assez, c'est trop. C'est pourquoi le nom du Seigneur est blasphémé et les gens ne veulent plus se convertir à cause de la cupidité dans les églises. Frères, c'est grave. Le Seigneur revient. Si les frères peuvent nous afficher le dernier élément là, par rapport encore au site des Nations Unies Merci. Chaque jour, on peut remonter un peu pour voir au début. Non, au début, voilà. Chaque jour, 25 000 personnes meurent de faim. Alors, réduisez un peu pour que les gens comprennent que ce n'est pas nous qui avons inventé. On veut bien montrer que c'est le site des Nations Unies. Si vous pouvez bien diminuer pour qu'on voit que c'est le site des Nations Unies, qu'on voit d'abord bien le site avant d'agrandir, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Voilà, bienvenue aux Nations Unies. Merci. Voilà, donc, on nous dit que chaque jour, 25 000 personnes meurent de faim. Vous voyez? Au cours, alors, ramenez ça un peu sur la gauche, parce que sinon ça va couper dans les maisons, parce qu'il y a toujours une coupure. Voilà, ok, c'est bon là.
Au cours des deux dernières décennies, la demande alimentaire n'a cessé de croître que l'accroissement de la population mondiale, l'amélioration des revenus et la diversification des régimes alimentaires jusqu'en 2000. Les prix des denrées alimentaires ont baissé grâce à des récoltes records. Simultanément, les investissements publics et privés en agriculture, surtout dans les productions d'aliments de base, ont diminué et conduit à la stagnation ou à la baisse de la croissance des résultats. En tout cas, on va s'arrêter là. On va lire juste la partie de droite à propos de l'auteur. Il s'appelle John Holmes. John Holmes est sous-secrétaire aux affaires humanitaires des Nations Unies et a été le coordonnateur de l'équipe de travail sur la crise de la sécurité alimentaire mondiale jusqu'au 31 décembre 2008. Il a été ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris de 2001 à 2007 et à Lisbonne de 99 à 2001. Donc, Monsieur John Holmes sait de quoi il parle, il a les chiffres recueillis dans les divers des différents pays. Donc merci l'équipe, on peut enlever le passage. Frère, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, les chrétiens, l'Église a perdu. On va parler, on aura l'occasion d'enseigner sur l'autonomisation des chrétiens. Comment, chrétien, devenir autonome pour contribuer au développement de ton pays? Comment devenir autonome, frère? Ce n'est pas simplement en restant enfermé dans ta maison en train de prier matin, midi et soir. Non. Il faut travailler. La Bible nous dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Voilà. Trop de chrétiens sont dépendants des autres et veulent vivre des autres. Ça, ce n'est pas normal. Voilà. On doit aider, on doit s'aider les uns les autres, mais on doit beaucoup plus s'aider dans le sens de l'autonomisation. On peut s'aider de façon ponctuelle pendant un temps, mais c'est dans le but de devenir autonome. Ce n'est pas dans le but de vivre toute sa vie sous le dos des autres. Ça, ce n'est pas juste devant le Seigneur. Voilà. Donc, voilà, frères et sœurs, c'était ce que nous avons voulu partager avec vous. Le Seigneur nous met de plus en plus à cœur de partager aussi sur l'œuvre sociale selon le Seigneur. Voilà, c'est pourquoi lundi, on a partagé une émission aujourd'hui et demain à 14h, on a une émission spéciale sur l'œuvre sociale et nous voulons vous présenter ce que le Seigneur nous amène à faire, ce que nous faisons par la grâce du Seigneur, je dis même par la grâce du Seigneur, depuis certaines années. Voilà, on aura des frères aussi qui travaillent avec nous du côté de Libreville qui vont présenter ce que le Seigneur leur accorde de faire. Tout ceci, frères, dans quel but? Pas dans le but de nous présenter nous. C'est dans le but de pouvoir donner un modèle, de témoigner et aussi de rendre compte. Parce que lorsqu'on reçoit des finances de la part des frères et des sœurs pour faire une œuvre, bibliquement, on doit rendre compte de l'œuvre qu'on a faite. C'est-à-dire, frère, on a demandé 100 000 pour acheter une caméra. Les frères, voilà la caméra et c'est grâce à cette caméra que vous nous voyez, par exemple, à la télé. Les frères, on a demandé 1 million pour acheter un terrain pour construire un orphelinat. Voici le terrain, voici les papiers qui ont été signés au nom d'une association qui n'appartiennent pas à un homme. Voilà les frères. C'est comme ça qu'on rencontre. Donc, l'émission de demain, samedi 20 juin 2020, aura pour but de témoigner, d'encourager ceux-là qui ont commencé des projets et qui parfois se sentent fatigués parce que c'est dur, ce n'est pas forcément toujours facile, de pouvoir aussi donner une voix à ceux qui sentent ces choses dans leur cœur et qui ne savent pas comment commencer, et aussi pour ceux qui ont ce fardeau dans le cœur de pouvoir contribuer financièrement, que le Seigneur leur a mis cela, que leur présenter les projets, et selon que le Seigneur leur mettra à cœur, ils pourront contribuer, participer à cette belle œuvre que le Seigneur nous permet de faire. Voilà. Donc tout cela est fait grâce au Seigneur, grâce aux dons des frères et des sœurs. Voilà, on s'efforce de le faire. Donc nous n'avons pas des comptes remplis avec de l'argent, mais on se force de le faire. Donc frères et sœurs, il y aura émission demain à 14h. Nous vous invitons à suivre vivement cette émission. Elle sera certainement, ça va peut-être faire maximum 2 heures. On vous invite à vous câbler demain sur Réveil TV, voilà, à partir de 14h pile. Donc, que le Seigneur vous garde dans vos maisons. Prions les uns pour les autres. Prions pour notre pays. Prions pour notre pays. Voilà. Prions pour nos autorités. Prions pour le salut des âmes. Prions pour nos familles. Prions pour notre ville. Voilà. Et que Yahushua soit béni. Donc, à demain, dimanche, samedi 20 juin 2020 à 14h. Et que Yahushua vous garde chez vous. Bonne soirée.